C'est pour moi une des plus grandes artistes de portrait qui existe actuellement à New York. The texture showing up on her works, it's always been amazing. L'énergie et la force que l'on retrouve dans des artistes comme Basquiat ou comme Warhol. Il y a quelque chose qui se trouve à être comme crié. Le flow d'énergie, de mouvement, comme on dit en anglais, it's bold, c'est in your face. Et une de nos rares artistes qui se vendent aussi bien à Paris qu'à Dubaï, qu'à Londres, qu'à New York, qu'à Monaco. Sa peinture, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Je pense que dès qu'elle a été capable de tenir un crayon dans sa main, elle dessinait. C'est inné, là. Il faut savoir que Joanne Cornot, quand elle a débuté, les galeries n'en voulaient pas. Moi, j'étais naïve. J'explique pas mon art. J'étais naïve, puis je disais non, là, tu me veux, là, tu comprends pas, moi je veux être ici, là. Pas toi qui dis, moi je veux être ici. Une femme qui. Rio à l'instant présent tout le temps. Quand un tabou, il n'y a pas une bonne énergie dedans, je veux pas l'avoir. C'est juste que quand je peins, ça fait du sens. Je pense. À New York. C'est d'accepter que quand t'as fait ce tableau-là, t'étais rendu là, puis que là, t'es déjà ailleurs. À New York. C'est d'accepter que quand t'as fait ce tableau-là, t'étais rendu là, puis que là, t'es déjà ailleurs. T'aimes ça, t'aimes pas ça, mais t'en as plein la gueule.